m'attendiez au tournant, hein, bande de petits salopards. Salut à tous, me voilà aujourd'hui pour relever un petit défi, parce qu'apparemment l'histoire de la Nivea vous a beaucoup plu. Dans mon dernier défi, le dernier tag What's in my mouth que j'ai fait avec Mika, j'ai eu beaucoup de commentaires par rapport à la Nivea et beaucoup de personnes que je connais dans la vraie vie m'en ont parlé. Dont une personne en fait qui a été d'abord une copine de Mika d'abord, puis une abonnée à moi parce que je ne la connaissais pas directement, et maintenant elle est dans mes cours de Zumba, donc c'est une de mes élèves avec laquelle j'ai sympathisé. Elle nous a concocté quelque chose de rigolo, regardez. Coucou Sandrine. Donc comme nous l'avons dit tout à l'heure, je vais essayer de faire manger de la crème Nivea à Mika. Donc voici la preuve. Voilà. La Nivea, l'écorce sous la douche, magnifique. Voilà, et puis j'ai mis des petites paillettes, voilà, dessus, des petites vermicelles multicolores pour rendre ça un petit peu plus appétissant. Donc je pense qu'on va lui proposer ça au dessert. Donc avant de manger le dessert, je vais dire, voilà, je sais pas si tu aimes, donc voilà, je te propose de goûter avant de le mettre sur le dessert. Donc j'espère qu'il va pas trop m'en vouloir, surtout qu'il va pas vomir sur ma table. Donc voilà, nous allons voir ça tout à l'heure. Et nous verrons bien ce que ça donne. J'espère qu'il m'en voudra pas, surtout. Sinon, ça sera ta faute. Voilà. Vous êtes des salauds. Alors maintenant, moi, j'ai besoin de savoir si c'est si dégueulasse que ça. Alors devant vous, bah, je vais m'y coller. Alors voilà, nous avons devant nous un pot de Nivea, tout ce qu'il y a de plus quelconque, hein, qui est déjà bien creusé d'ailleurs. petite cuillère. On entend grignoter, c'est Salem. Salem ? Tu veux de la Nivea ? Bon ! Je vais prendre un tout petit peu hein, quand même. je suis maso, mais... Alors, bah, c'est parti, je vais voir si c'est si dégueu que ça. Non, en fait... Il faut que je crache. En fait, c'est pas dégueu. C'est pas dégueu, mais ça fond pas. Ça fait un truc dur en fait. Je sais pas si j'en ai encore. Non, en fait, c'est bizarre. Non, franchement, c'est pas dégueu. Bon, j'en mangerai pas aux 4 heures. Hein. J'en mangerai pas au goûter. Mais. C'est pas dégueulasse, c'est plus une texture bizarre qui fond pas sous la, qui fond pas dans la bouche et qui laisse un goût de parfum quoi. Ben, donc voilà, je l'ai fait. Alors je vous mets au défi, je l'ai fait, vous pouvez le faire. Vous allez vous filmer en train de manger de la Nivea, enfin manger, en train de goûter de la Nivea et me le poster sur Instagram avec le hashtag miamlanivea. Alors maintenant, à vous de jouer. Salut !